Il l'a fait, il a fait en première partie de saison de jouer devant. Je pense qu'il est plus à l'aise à deux devant, Renaud. Et j'en ai discuté aussi avec lui. Oui, effectivement, dans le rôle de Mama, un peu cet attaquant qui vient défendre au milieu, lui correspond bien aussi. Ça pourra pas être, par exemple, et Mama et Renaud, Et pourquoi c'est pas, ça peut être une chance. bien sûr, ça peut être une option. Mais encore une fois, je mets mes meilleures cartes sur le terrain. Si mes meilleures cartes sont Renaud et Mama et qu'il faut les faire, je m'adapterai, ils seront sur le terrain. Oui, alors après, c'est aussi un rôle qui est énergivore. Enfin, donc, c'est pour ça que c'est un poste qui est amené souvent à être. On met un remplaçant, enfin, on fait des changements parce que ça demande beaucoup. Quand on dit 1-9 et que vous avez le trois quarts des temps des défenses à 3, c'est costaud pour eux. Donc, et puis en plus, on leur demande de défendre. Et puis, donc effectivement, nous. C'est rare que ce poste de numéro 9 fasse les 90 minutes et s'impose. Et en plus, on n'est pas non plus dans une équipe avec 70% de possession et 15 000 occasions de but. Nous, le 9, il va aller chercher ses occasions de but. Voilà, on n'a pas Lewandowski qu'on met dans une. Puis on sait qu'il va marquer à un moment donné. On demande beaucoup plus qu'un 9 dans une grosse équipe. Donc c'est normal que ce soit plus difficile pour eux à la fois de marquer et de rester 90 minutes tous les week-ends sans bouger.